Vous parlez pas. Ah bah oui. Ils sont là au sens. Non, connais, pas une idée de rien. Fermé. D'autres locaux. Apprêtez-vous à enterrer les sorciers. Ah bon, ça va bien, je veux. Il a fui son pari. Amen. Amen. Moi, je cherche sur le chef pour faire une petite démonstration. Et moi, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Si les discours. Pour l'en dans une démonstration. Mais écoute, je vais te montrer la puissance. Et quand je vais te montrer, il y a un sorcier manqué. Il va manquer. Là, vous ne pouvez pas lui crier, il va. La Bible dit que ce qui est en toi. Mais est plus fort. Et qu'à tête. Amen. Vous avez le Saint-Esprit désormais. Attends pour nous, vous n'avez plus avoir peur des sorciers. Attends pour nous. On a dit qu'il y aura plus peur des sorciers. Il y a l'air à l'église et puis envoie Jésus. Même pas je vous dis. Allez à l'église et même pas je vous dis. Envoie Jésus. L'air qu'à Jésus. On a Jésus. Et même si on a la parole. L'air n'a pas besoin. C'est pas question de crasser, mieux prier pour moi. Est-ce que je marche sur la parole du Dieu? Je marche sur cette parole. Aucun sorcier ne pourra. C'est ce qui fait ma force. Ce qui fait que je n'ai pas peur. Je ne peux pas avoir peur de celui que Jésus-Christ a vaincu. Mais alors je dis ça, non. Jésus a vaincu la société. Amen. Amen. La seule chose que tu dois maintenant faire, c'est de t'attacher à la parole de Dieu. Tu es trop fidèle. Tu abandonnes le Seigneur, il t'abandonne. Et quand le nom de Dieu est où? Et quand tu t'abandonnes, tu es sauvé. Il y a encore un nom de Dieu pour vous tuer. Amen. Allez-y à l'église. Amen. Pas de bon. Mais marchez sous la parole. Mais en allant, on y est abandonné. C'est pour ça que je vous ai suivi les Bibles ici. Mais vous voyez la Bible, moi. C'est pour ça qu'après ma prédication, je voulais vous amener à accepter Jésus, je vous ai dit. Mais quand il est église, et je viens de demander quels sont les hommes de Dieu ici. Le Seigneur s'est présenté sur le catéchisme. Moi, je suis homme de Dieu. Mais je suis évangélique. Je suis pentecôtiste. Je suis de l'église pentecôte. Voilà. Mais on a tous eu les problèmes avec les évangéliques. Catholiques n'ont pas de problème. Mais les plus grands critiqueurs, c'est les évangéliques. Les troupes, non, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Vous venez là, vous connaissez pas la Bible. Allez, théologie. Bible. Mettez le débat théologique. Et vous la Bible, écoutez. J'ai étudié pendant 3 années avant de finir. Et ici, elle dit, t'as mis. En vous de la pression, venez par les armes. Aïe, elle a encore encore. Vous avez peur. Assolé. Venez les encadrer. Aïe, même si j'ai venu mettre une église dans un village, vous ne pouvez pas vous plaire. Vous ne pouvez pas gagner des armes, vous êtes à la rue. Bon, il y en a qui une question. Donc, vous êtes à la rue. Et là, vous les amenez à l'église. Et Dieu, vous êtes à la rue. Bien sûr. Je ne vais pas vous dire. Je ne suis pas venu faire l'église. Et par nous, je suis venu évangéliser. Et il a dit ça. Vous êtes ici. Et puis les gens mangent, les gens. Les sorciers mangent. Vous allez. Vous vivez avec dragon. Vous êtes content. Là, moi. C'est quel évangile ça? La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. La Bible dit, vous êtes et vous libérez les captifs. La Bible dit, ne vous parlez pas seulement à prêcher. Mais libérez les gens. J'ai dit moi. Non, mais quand laisse l'onction, le ministère de la délivrance, dit que la compagnie pas un ministère. Moi je ne t'écoute plus. Quelqu'un qui est possédé, quel que soit le message, c'est bon, intéressant. Et vous dites prêche. Quand on sort de l'église, c'est fini l'église. Le démon la met dans la prophétie. Vous
il est possédé. Pourquoi? Il a bien écouté ta parole. Vous avez dit, ne vous bornez pas seulement écouter. Mais vous, il y a les mêmes en pratique. Il n'a pas d'esprit, c'est lui, il a un démon. Il va prêcher. Il va partir. C'est fini, l'esprit est oublié. Il va se retrouver dans les bars avec les prostituées. Parce que Jésus-Christ est une ville chrétienne. Qu'on a Jésus. Ça, c'est clair. Il est noir. Ça c'est clair. Il est noir. Pas le monde, les choses qui sont dans le pas le monde. C'est vous qui faites. Que ces petits sorciers ont raison. Vous êtes à l'église, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. Vous vivez la vie du diable. Vous ne vous attachez pas à la parole. C'est cela que vous n'avez pas la vie du diable. Vous allez on a Jésus. On arrête avec les païens. Et nous, on Amen. C'est vrai? Bélé va te faire quoi? Tu bois ça pourquoi? Et un moment. Si tes yeux tout, ça va aller mal. Si tes yeux tout, tu vas te tromper de ta femme. Non, il y a un gavé, un gavé, un gavé, un gavé. Tu trouves que ça n'est pas bien. Il y a un gavé qui est joli. Il y a un gavé. Tu vas aller là-bas. Il y a un gavé. Sorcier. Vous comme nous. On a Jésus. Jésus. On pratique la parole. On met la parole aux gens. On est con. On est sur le troupé dans les conneries. Amen. Oui, amen. Amen. Mais ce qui est important pour nous. Mais vous avez l'évangélisation. Vous confiez en l'Église. Vous confiez en l'Esprit de Dieu. Ils vont vous encadrer. Vous avez accepté Jésus. Amen. Amen. Ce que Dieu veut maintenant faire, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas une question de prophète Krasno. C'est toi. Tout est en ta main. Tout maintenant dépend de toi. Amen. Amen. Dieu vient de te délivrer. C'est qui est venu dans la terre chrétienne? C'est fini, le gars est délivré. C'est fini. Eh bien, le village est délivré. C'est délivré. Combien? Alléluia. Amen. C'est fini. Eh bien. Là où on avait caché vos bénédictions, nous avons détruit en toi. Et vos bénédictions étaient totalement libérées. C'est maintenant que vous allez prospérer. C'est maintenant que vous serez béni. Parce que c'était vraiment quelque chose de dangereux. Tu rentres. Oublie-le.